Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bonsoir. Et aujourd'hui on a... Oui bonsoir, c'est mon intro, ok. Je suis avec Astrid, ici présente, qui mange le petit-déj. Et Lilian, son copain, qui est très sympa. Et on a décidé aujourd'hui de faire une Instagram contrôle ma vie. Donc je sais que la mode est totalement passée, donc un an après tout le monde, on s'y met. Non mais moi ça me plaît, au moins vous vous faites pas assaillir par le même concept de vidéo sur toutes les chaînes. Donc c'est cool. Hier, on vous a demandé à quelle heure vous vouliez qu'on se lève. Vous avez voté assez serré à 52% il me semble, qu'on devait se lever à 8h et non pas à 7h. Voici le screen pour preuve. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et tant mieux, vous avez été gentil, merci, parce qu'on s'est couché assez tard et ça aurait été dur de se lever plus tôt. Là, on a pris le petit déj. Pareil. Tu fais du bruit là quand je parle, ok? On a posté une story. Quel type de petit déj je voulais qu'on prenne, entre des céréales, du lait basique et du jus d'orange et des peaches, des madeleines. Et vous avez choisi à 60% qu'on devait prendre le petit déj avec le jus d'orange et les peaches. Là encore, c'est ce que je préférais. Et toi, Astrid? J'aime les céréales. Elle aime bien les céréales, mais moi je suis contente. Donc voilà. Merci. Je vous ai accueilli dans cette vidéo avec ma tête du matin quand je viens de me réveiller. J'avais jamais fait ça. Il faut une première à tout. Du coup, bah, on mange des peaches. Coucou, du coup on vient d'arriver au club, c'est super joli. Voilà, je vais vous faire quelques petits plans vidéo que je vais incruster parce que c'est vraiment super sympa comme écurie. Et là on va aller chercher Lickner. Et on a fait le vote des tenues tout à l'heure avant de s'habiller. Pour Astrid, vous avez voté à 68% le pantalon bleu ici présent. Voilà, bon on voit pas très bien que c'est du bleu. Et à 69% vous avez voté les chaussettes comme ceci, bleu. Donc c'est cool. Vous lui avez tout assorti, alors que moi, vous avez été beaucoup moins sympa parce que vous m'avez choisi mon pantalon Time Rider noir du coup. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que je l'aime bien. Sauf que vous m'avez pris les chaussettes bleues. Donc 81% pour le pantalon noir, mais 70% pour les chaussettes bleues. Du coup c'est pas assorti et je trouve ça moche. Donc je ne vous aime plus, voilà. Actuellement à l'intérieur de l'écurie de cette jeune fille, yes. Franchement c'est super beau, regardez-moi ça. Tout neuf, tout beau, tout propre, tada. On peut vraiment faire des beaux plans là. Ah. Youpi. Elle est fière de son écurie? Oui. Yes, c'est tout neuf, du coup il n'y a pas encore de pensionnaire, c'est pour ça que c'est tout vide. Monsieur Lickner débarque. Tu exploites un peu ton copain Astrid quand même, non? Oui. Juste un peu. Oui. C'est Lilian qui se cherche à le récupérer du coup. C'est lui, il a dit, je vais chercher Lulu. Ok. Bah vas-y. Voici Lickner Dumont, petit cheval alezan de 20 ans qui fait pas du tout son âge. Et il est mignon comme tout. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le dégazer du coup un petit peu parce qu'il a beaucoup de sang. Oui, oui. Et on va vous faire choisir peut-être le petit ensemble qu'elle va lui mettre ce matin quand même. Hein? Pour le dégazer. Moi, je le montrerai cet après-midi. Bienvenue chez moi. Alors... Wow. Premier casier, tous mes tapis, yeah. Ma selle, mm-hmm. Un tapis qui traîne, ma bombe, tes affaires, et mes affaires. Et casier. Deuxième casier, bric-à-brac. De tout. De tout. Bon, on va faire choisir ça et puis on vous retrouve juste après. Vous avez voté pour... Le free jump, yes. On vous avait proposé le choix entre ce tapis Scapa bleu marine et ce très très beau tapis free jump noir et blanc. Et c'est ce que vous avez choisi, donc Astrid est très contente. C'est mon chouchou. Ouais, bah je suis contente pour elle du coup. Petit disclaimer les amis, attention, vas-y Astrid, raconte. Je mets un pélam à Lickner. C'est pas pour le plaisir dans mes trains, c'est parce que Lickner a la bouche extrêmement dure et que j'ai déjà essayé de monter en mort simple, et en mort simple ou en autre mort, et on s'est mis en danger tous les deux. Donc plutôt que se mettre en danger puis lui tirer sur la gueule H24, je préfère lui mettre un pélam, avoir la main douce et être en sécurité.
Donc, s'il vous plaît, pas de polémique. Voilà, merci. Normalement, il n'y a pas à justifier sur ce genre de truc, ça ne regarde que le proprio. Mais bon, vu que je sais qu'on aura forcément des commentaires, bah voilà, on préfère prendre de l'avance sur les critiques. Tu fais un câlin tout connu ? Non. Je l'aime trop de façon. Vous avez voté les Protec ? Noir. Oui. Voilà, donc. Protec noir avec Moumoute pour le gros, parce qu'on vous avait demandé du coup si vous préfériez ces blanches là-bas ou avec des sangles et tout, ou celle-là avec des scratchs, c'est ça? Ouais. Le petit collier de chasse des familles, il est quand même vachement canon, j'aime beaucoup. On vous a demandé si vous vouliez un bonnet et vous avez voté oui à 77%, et comme on avait mis le tapis Free Jump noir et blanc, bah on a pris le bonnet assorti Free Jump. Bah il est tout beau comme ça. Bah voilà, elle est dessus. Elle monte bien ta copine ? Oui. Oui. Bah moi je pense que oui, après j'en connais rien. Moi j'avoue, j'y connais rien. Et bah là, Astrid, elle fait une petite croix, un petit saut juste histoire de voir comment il est. Et on va voir ça. Bah tranquille. Ça, il l'enjambe. Là, Astrid, elle vient de monter Luckner, du coup vous avez vu quelques plans, on a vraiment rien fait, enfin ça a été 20 minutes, vraiment pas longtemps, c'était juste histoire de le dégazer un petit peu, de le faire marcher, trotter, galoper. Elle a passé une mini croix, mais sans plus, c'est cet après-midi que vous allez faire les vrais choix et que vous allez faire la vraie séance. Voilà. Donc là, on est en voiture, on s'apprête à aller au Décathlon. Vous avez voté qu'il fallait qu'on y aille avant de manger. Bon, il est 12h34, on ira manger après et on a mis une story dans laquelle on vous demandait où on devait manger. On verra ça après. Et au Décathlon, on doit acheter un licol à franges pour Luckner qui a besoin d'être protégé des mouches. Bon, et bien on est à Décathlon et vous avez voté pour le licol. Le licol rouge, donc voilà, vous allez devoir supporter ça. Ils sont là. Et tu vas le prendre en quelle taille? Je veux 1m50, taille 3. Ok, bah let's go. Et en plus on prend ce truc à mouche là, ces franges, parce que le pneu en a besoin. T'es contente de ton achat, Astrid? Non. Non. Je voulais en noir. Oh non, bah c'est mignon le rouge aussi. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas grave. On filmera le pneu avec tout à l'heure. Ouais, ouais. Vous avez voté en majorité pour la pizza à 55, c'est ça, pour 100. Ouais. Et elle a un peu le seum parce qu'elle voulait KFC. Même si on a déjà mangé hier soir, je lui ai refait découvrir KFC, c'est bon, elle est contente. Et du coup on est rentré à la maison pour cuire la petite pizza, ma foi. Et on en profite pour le petit apéro. Focus, focus. Oui, miam miam miam. On est de retour à l'écurie de Lulu. Lulu qui est dans son pré vers là-bas. On va aller chercher tout de suite après avec le nouveau licol d'Astrid rouge du coup. On vient de finir la pizza que vous aviez choisi qu'on devait manger. Et on va peut-être pas vous proposer de choisir l'équipement de Luckner là, parce que ce matin vous aviez déjà choisi pour la petite détente qu'on lui avait fait faire, histoire de le dérouiller un petit peu, de le défouler. Donc je pense qu'on va mettre à peu près le même équipement. Voilà. On va aller mouche partout. Oui. Astrid et son nouveau licol. Ah non. Ah non, tu l'as pas pris. Ah non non, c'est pour après, c'est pour le laisser dans le pré. Ah ok. C'est bon Astrid, tu t'éclates. Oui. Bichette. Et là on va faire un sondage. Est-ce qu'on lui donne ou pas la carotte? Enfin, bah allez, on lui donne. Bah oui, on lui donne. Mmh. Bon appétit. T'es content? Oui, t'es content. Mmh. Je suis là. Donc là, c'est moi qui vais monter dessus. C'est juste qu'on est sur le point de faire quelques petites photos. Petit shooting improvisé, hein, tant qu'à faire. On est là, on a un appareil, pourquoi pas. On vient de le préparer. Du coup, voilà, j'ai remis les mêmes affaires que ce matin. Juste, j'ai oublié de mettre le bonnet. Désolée. Bah, ce sera sans bonnet. Oh, et puis voilà, on va s'amuser, c'est parti. Okay. On vient de faire shooting photo voiture. Retrouvez-la sur son compte, luckner.du.mon. Ouais, c'est ça. Elle mettra le nom. Je vous le mettrai au montage pour voir ses photos, yes. Yes. Oula, va falloir que je baisse les étriers, moi. Je suis en vraie longueur CSO, là.
parti. C'est bon, je suis dessus, je suis contente moi. Yes. Bonsoir, c'est la voix off. Je trouve ça beaucoup plus pratique de commenter comme ça mes cours après sur le montage. C'est plus agréable, je trouve, et plus intéressant. Du coup, j'ai commencé par bien le marché, Renlong, un petit peu partout dans la carrière, en faisant pas mal de cercles, etc. À des moments, j'avais envie un petit peu de lui mobiliser les hanches, les épaules, mais j'évitais parce que Astrid m'avait dit qu'il avait des petits problèmes de jarret, etc., que ça pouvait lui faire mal, donc même dans mes virages, mes courbes, j'essayais d'être délicate. Ok, on vient de vérifier, donc vous êtes 92% à nous avoir dit que vous préfériez qu'on travaille sur les barres plutôt que sur le plat. Ok, soit, on va travailler sur les barres. Par contre, étant donné qu'il fait assez chaud, on va pas faire une grosse séance et surtout, il a des petits problèmes de jarret et tout, donc on va pas pousser. Je vous ai proposé soit des petites croix, quelques-unes, soit des barres au sol. J'attends que les voitures passent. Vous avez donc été 87% à préférer les croix, donc eh ben, c'est ce qu'on va faire, mais d'abord, une petite détente. Après l'avoir bien marché partout dans la carrière, j'ai commencé à trotter. Donc c'est assez bizarre à chaque fois quand je monte un nouveau cheval et que je commence à trotter, j'ai l'impression de pas trop trouver ma place, etc. Donc au fur et à mesure, j'essayais d'être de plus en plus à l'aise et tout. Et franchement, je trouve que c'était pas mal, je ne m'agitais pas trop. Il n'était pas hyper confort, mais au fur et à mesure, on s'habitue. Après, c'est comme ça avec tous les chevaux. Et je trouvais qu'il avait vraiment pas mal de rebonds, etc. Donc j'ai pas cherché la mise en place et compagnie, hein. J'ai juste un petit peu trotté partout, fait des cercles, etc. Par rapport à ce matin, il est calme. Ouais. N'hésite pas à lui dire trotter et tout, parce que c'est un cheval qui fonctionne beaucoup à la voix. Quand Astrid m'a dit ça, j'ai commencé à le faire et franchement, c'est vrai que ça marchait plutôt très très bien. J'étais vachement contente. J'avoue, je fais rien et il part au trot quand je dis trotter. Il est génial ton poney. T'as vu ça? C'est le meilleur. Après le trot est venu le moment de galoper. Là encore, j'ai essayé de trouver ma place et d'être le mieux assise possible, mais j'avais tendance un petit peu à avoir mes épaules qui partaient vers l'avant. Par contre, mes jambes ne faisaient pas essuie-glace, donc ça c'était un bon point. Luckner est un cheval qui a plutôt tendance à s'appuyer sur le mors, donc moi il fallait plutôt que j'ai les mains assez hautes pour le redresser, ce que je ne faisais pas forcément. J'avais les mains un petit peu basses, je trouvais, et parfois il était un peu en sous-impulsion du coup, vu que je mettais pas assez de jambes et j'en mettais pas assez en équilibre, mais au fur et à mesure de la séance, ça allait de mieux en mieux. Il est top, hein? C'est bien, Lulu. Par rapport à la courte détente de la matinée durant laquelle Luckner avait un petit peu saoulé Astrid en l'embarquant, en accélérant sur des longueurs de carrière, etc. Là, il était assez calme. C'est pas la chaleur parce qu'il y avait une brise, etc. Donc on était bien au niveau de la température. Juste qu'il était calme et ça, c'était très bien parce que si on sautait juste après, bah, il valait mieux qu'il soit détendu plutôt que tout stressé à charger sur les barres. Et en plus, tout au long, j'essayais de varier l'amplitude des allures pour justement le mettre dans le bain. Merci à Lilian Musi qui prépare le matériel. Est venu le moment de commencer à enjamber nos petites croix. Je dis enjamber parce qu'au début c'était vraiment pas haut et c'était même une barre au début, histoire de voir comment ils se comportaient face au chandelier, etc. Et encore une fois, c'était très dans le calme. Il shootait pas dans la barre, bon point. Il était assez rebondi et moi j'étais bien. Albert, reporter, que pensez-vous de mon cheval? Une petite pépite. Ah, c'est parfait. Je commençais vraiment à bien aimer ce beau cheval alezan et ça se passait super bien. Donc on a mis la première petite croix qui est passée vraiment sans souci. J'ai vraiment bien suivi mes sauts sur cette séance, vous allez voir, cette courte séance, c'est vrai, mais j'étais plutôt à l'aise et on sentait que Luckner avait envie d'y aller, donc c'était vraiment bien. Comme d'habitude, mes rênes étaient peut-être un petit peu trop longs, je sais pas. Mais bref, ça se passait bien, donc on a mis un petit vertical après. Vous le voyez, là encore, les sauts se suivent assez bien. Luckner est dans un bon galop, pas trop mou, pas trop rapide. Et vraiment, j'avais de bonnes sensations, même si c'était pas très haut. Je vais vous remettre ce plan au ralenti parce que franchement, je l'adore. Il est trop bien pris. Astrid a fait de très belles vidéos, vous le noterez. Et ça faisait un moment que j'avais pas sauté, donc vraiment, ça faisait très plaisir. Comme on voyait que Luckner était plutôt disponible et avait envie d'y aller, on a un petit peu augmenté la hauteur du vertical et là encore, c'est passé tout seul. Le cheval était volontaire, il avait envie d'y aller et moi, je me faisais vraiment trop plaisir. C'était parfait. Une petite pépite. Rituel, grattage. Toujours? Toujours. Séance. Toujours, toujours. Il est trop beau, mon ami. Elles sont marrantes, ces rennes, elles sont pas mal.
Ouais, moi j'aime bien. Non mais on a une bonne tenue, elle t'arrache pas les mains surtout. Il a été trop bien. Donc voilà, on a fait une petite séance, pas trop, petits obstacles. Et maintenant c'est au tour de Lilian. Il est en PLS parce que vous avez voté à la majorité écrasante, 94%, pour que Lilian monte dessus. Et il n'avait pas super envie de base. Donc admirez ça. Attends, allez, on la prend bombe, toi. La bombe. Oh, mais t'es fou, il avait monté sans bombe. Je lui ai prêté ma bombe, c'est un peu juste, mais ça fera l'affaire. Allez, go. Bon, ça va, c'est un habitué. C'est bon, parti. Le même côté que là où t'es monté. C'est bon, t'es content? T'as fait ton tour de manège? Oui. 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 Et c'est la douche pour le gros. Yes. Oh non. Moi je fais ça. C'est hyper charmant. Marche pas dedans, baby. Marche pas dedans. Excusez ma tête d'après séance, on est crevé. Il y a Lulu qui est en train d'être douchée par Lilian et Astrid. On s'en est bien occupé, il a fait une super séance, vraiment on n'a pas fait grand chose parce que je vous le dis, il faisait chaud même s'il y avait une petite brise, donc ça allait, c'était pas la canicule non plus. Mais il a été super et je suis grave contente de ce qu'on a fait, sauf que maintenant je suis déshydratée, donc on va sûrement aller à Intermarché acheter une grande bouteille d'eau. J'ai une réserve de carottes dans ma poche. Ouais, ce sont mes fesses, ouais. Michette. Et lui il sait pas manger, super. Mais il lâche tout. Et il bave tout. Oh mais quel con. Il est un peu boubou ton cheval hein. T'as traité de con, méchant. Viens, on s'en va. Oh. Allez, on s'en va. Au revoir Lulu. Allez, viens, bisous. Va. Il est mignon. Oh. Au final, je me suis acheté une bouteille d'eau et je vous ai pas laissé le choix parce que j'avais vraiment trop soif. Bon, on dit merci à Lilian qui tient gentiment la caméra pour cette fin de vidéo. On revient à Intermarché du coup et là on est encore en train de faire brouter Luckner et moi je vais pas tarder à repartir à la gare pour retourner à Lyon. C'était une journée fort sympathique et j'espère vraiment que ce petit concept vous a plu. Laissez un petit pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous surtout si c'est pas encore fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Activez la petite cloche de notification. Restez connectés si vous avez bien aimé Astrid et Lilian. Si vous les avez pas aimés, ben on s'en fout. Mais si vous les avez aimés, il y a une nouvelle vidéo qui arrivera sur la chaîne prochainement dans les semaines qui viennent. Donc voilà, restez connectés, prêts à agir. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de cette jeune fille, luckner.du.mon. Et je vous le mets là de toute façon. Et il sera dans la barre d'infos. Et on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss.